Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans sa présence. Amen. Je vous sens triste. Non. Non, pas dans la présence de notre papa. Ah non. Nous ne sommes pas dans un lieu de deuil. Non. Dans la présence de notre Dieu, nous sommes dans la joie. Amen. Parce que nous venons rencontrer le Seigneur, notre papa. Amen. Le Dieu qui fait autour de nous, dans nos vies, des grandes choses. Et nous venons avec reconnaissance devant ce Dieu. Je réfléchissais tout à l'heure et je me disais combien ce Dieu est grand, ce Dieu de Gédéon. Ce Dieu-là qui prend quelqu'un d'anonyme, le plus petit, le plus pauvre, comme lui-même il se nommait, mais qui en fait une référence. Amen. C'est ce Dieu-là qui prend de rien et qui fait asseoir à la table des grands et qui nous donne un don. Il nous donne une identité. Amen. Avant de commencer ce culte, nous voulons lire dans 2 Corinthiens 3, au verset 18. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Amen. Amen. Nous voulons et nous nous attendons à ce grand Dieu encore aujourd'hui et nous croyons qu'il va faire des grandes choses au milieu de nous. Amen. La parole de Dieu nous dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous voulons nous approcher de notre Dieu, le visage à découvert, tel que nous sommes, avec nos imperfections, avec nos limites, avec tout ce qui est en nous. Nous voulons être vrais devant ce Dieu-là. Nous ne voulons pas paraître, car il est le Dieu qui nous connaît en profondeur. Nous sommes comme un livre ouvert devant lui, un verre transparent. Rien ne est caché devant sa face. Nous voulons être vrais devant ce Dieu dans notre adoration, dans notre approche devant sa personne. Amen. Et nous voulons contempler ce grand Dieu, réaliser qui il est et devant qui nous sommes. N'oublions pas ce qu'il est, bien-aimé. Ne venons pas comme par accoutumance. Nous voulons réellement réaliser qu'il est grand, il est puissant, il est redoutable, notre Dieu. Et c'est ce devant ce Dieu que nous voulons maintenant nous tenir. Si nous voulons bien nous lever devant sa présence et lui rendre gloire. Oui, nous voulons contempler sa grandeur, parce que c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme et qui nous mène de gloire en gloire et à sa ressemblance. Nous élevons nos voix et nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous élevons nos voix à toi, Seigneur éternel, nous te renvoie tel que nous sommes. Seigneur éternel, on te comme un enfant, Seigneur, qui s'approche devant de toi. Nous voici devant toi, Seigneur éternel Dieu, avec nos limites. Nous voici devant toi, Seigneur, avec nos imperfections. Nous voici devant toi, Seigneur, avec nos incapacités. Nous voici, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, avec nos douleurs et nos peines. Nous voici devant toi, Seigneur, tel que nous sommes. Nous ne pouvons rien cacher devant toi. Nous ne pouvons rien cacher devant toi. Nous venons à toi, le visage découvert. Nous venons à toi, tel que nous sommes, ô Dieu, et nous voulons être vrais devant toi. Nous voulons être vrais devant toi, comme un enfant devant son papa, comme un enfant au bras de ses parents. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence pour te célébrer, notre papa, pour t'honorer, notre Seigneur, pour te rendre gloire, notre papa, tel que nous sommes, tel que nous venons. Et nous disons que tu es notre Dieu. Nous disons que tu es notre Seigneur. Et que nous n'en avons point d'autre. Et que nous n'en avons point d'autre. Seigneur éternel Dieu du Sacré. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es Seigneur éternel qui a tout créé. Toi qui as mis chaque chose à sa place. Toi qui as mis chaque chose à sa place. Éternel Dieu de gloire. C'est toi qui nous invites aujourd'hui dans ta présence. Nous venons à toi tel que nous sommes, pour te célébrer, te donner papa, pour t'adorer, te célébrer, papa, parce que nous avons conscience de qui tu es. Nous reconnaissons que tu es Dieu.
souffle de vie, à nous, Seigneur, à qui tu as renouvelé le souffle de vie, c'est nous qui nous avons, Seigneur, pour célébrer notre Dieu, pour célébrer notre papa, parce que tu en es digne, mon Dieu, parce que tu en es digne, la mère de nous avait, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Thank you.
les tempêtes, nous restons debout. Nous restons debout parce que tu es avec nous. C'est toi, Seigneur, et ta rédemption. C'est toi, l'Éternel, qui garde nos pas. C'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui protège ton église. C'est toi qui veilles sur nous, oh Dieu. Nous te devons tout. Nous te devons tout. Nous avons tout reçu de ta main. Nous avons tout reçu de toi. La source de nos ressources, c'est toi, oh Dieu. C'est toi, oh Dieu. Nous te devons tout, là. Nous te devons tout, papa. Laisse la gloire te revienne. Laisse la gloire te revienne. Notre Dieu, c'est ça que tu es. C'est ça que tu es. Ce Dieu éternel. C'est ça que tu es. Ce Dieu qui redonne la vie. C'est ça que tu es. Ce Dieu qui redonne l'espoir. C'est ça que tu es. Oh, la mi-té-mi-té.
toi. La gloire n'appartient jamais. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. Thank you.
Je vous demande maintenant de pouvoir vous lever, s'il vous plaît.
Entre tes mains, les cœurs de pierre deviennent.
Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est ici? Avons-nous la joie?
Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que Jésus est dans la carte d'habitude? Est-ce que Jésus est lié de nous? Est-ce que Jésus est dans la carte d'habitude? Est-ce que Jésus est lié de nous? Est-ce que tu dis qu'on acclame Jésus? Est-ce que tu dis qu'on acclame le Christ Jésus? Le Jésus Jésus. Acclamez ton aïeux sur la vie de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, Pessi nous a merci. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la grâce et pour la faveur à Salibicho. Pour la grâce et la faveur qu'il nous a accordé. Et pour se retrouver sous la carte de la présence d'Aïe. Et nous retrouver dans sa présence. Et à Pessimisho privilège. Il nous a donné le privilège d'écouter à l'Ilobanaï na tongo la lune. De prêcher sa parole en ce matin. Amen. Amen. Nalingi to continuer thème moko na thème que j'ai dit. J'aimerais que nous puissions continuer les thèmes que j'ai commencé le jeudi. Thème na thème que j'ai dit, na thème qui ikolo na moine. Le jeudi j'ai prêché au sujet de l'enfant. Na mekadi pour expliquer na mokuse la mobaki. Différence est allée entre moi dans moto oyo assis à poli. En bref, j'ai essayé d'expliquer qu'il y a une différence entre un enfant et un adulte. Et la mécanique koloba été. J'ai essayé de dire que moi là haut visto dali kolobela. L'enfant dont nous parlons est allé moi dans selon mobilité. Ce n'est pas un enfant selon le monde. Mais nous allons kolobela moi dans selon Bible. Nous parlons de l'enfant au sujet de la Bible. Et koloba qui était. Nous avons dit tout le monde a la différence. Entre moi et Namokolo. Nous voyons la différence entre un enfant et un adulte. Motosoki a dali qu'on raisonnait. Une personne lorsqu'il raisonne. À un moment donné, là, on a langage le bar. Pourquoi nous allons localiser le rôle à moi, Namoué? À un moment, j'entends pourquoi tu réfléchis comme un enfant. Pourquoi tu le barabongo? Pourquoi nous disons cela? Parce que moi, ma azana l'olengi a kalisaga. Parce qu'un enfant a sa manière de réfléchir. Et vos kalisaga moi, non? Et la réflexion d'un enfant. Et que c'est quand vos kalisaga bakolo. Diffère de celui d'un adulte. Pourquoi nous avons dit ceci? L'enfant dont nous parlons n'est pas un enfant selon le monde. Mais est allé moi dans selon Bible. C'est l'enfant selon la Bible. Et en ce matin, je me tiens devant les enfants. Je ne me tiens pas devant les adultes. Est-ce que les enfants parmi nous? Est-ce que les enfants parmi nous? Merci. Mais c'est pas parce qu'on comprend le message. Je me réjouis parce que tu as compris mon message. Les enfants dont moi je parle. N'a pas dit passage dans le livre Jean. J'ai donné le passage en livre. Jean 1. Bible dit ceci. N'a pas honte sur Bayambi. À tous ceux-là qui l'ont reçu. A Pessi Baron pouvoir. A donné le pouvoir. A Pessi Baron ma coquille. A donné la possibilité. Yakoko ma banne dans de devenir enfant de Dieu. Ces enfants-là dont moi je suis en train de parler. Et la mégaye pour la qui s'est été. J'ai essayé de montrer. Jésus la carte de la Bible. Jésus dans la Bible. Alors, il a battu été. Il dit aux gens. Bon, mon gars, quand t'as beaucoup de zambé. Quelqu'un entre le royaume de Dieu. Et c'est qu'il est content dans le corps à moi dans le il doit être comme un enfant. Et si tu l'as dit comportement banalité, si nous suivons le comportement des enfants, et tu l'as dit fille à banalité, si nous suivons la vie des enfants, on voit banalité, verrait que les enfants, parce que la façon dont on est là, ils ont leur manière de voir les choses. Et avant de nous battre, nous avons dit, ma carte dans l'église, nous comme enfants de Dieu, ma carte dans l'église, en nous, il faut que nous raisonnions le rôle là-bas. Devons savoir raisonner comme des enfants. Oui, moi, non. Vous savez, un enfant. À poser la question aux parents. Il pose des questions aux parents. Pardon, à ce que la vie n'est pas parents. Il demande des choses aux parents. Sans tenir compte, il approche à parents. Sans tenir compte de ses possibilités. Pourquoi? Parce que moi, l'agneau, pourquoi? Parce que tout en temps. Allez, que papa n'a pas capable de recevoir le rôle. Mais son papa est capable de lui acheter la chose. Et ça, encore la moi, dans mon corps. C'est comme un enfant. Il a demandé à ce que son père lui achète le ciel. Allez, papa, on a dit papa. Dit papa. À l'école. Tous mes amis ont reçu des cadeaux. Mais un cadeau. J'aimerais que tu m'offres un cadeau. Oui, mais qui va cadeau? Je passe tous les cadeaux de mes amis. A réfléchi. Moi, j'ai réfléchi. Achète-moi le ciel et que tu me donnes. Voilà comment raisonner. Et t'as aussi des papas papa là. Demande à son papa. Alors, croit que papa n'a il croit que son papa est capable d'accomplir ses ciels. Capable de lui acheter. Mais yo pour moi. Et toi si tu es un enfant. Oui, mais dans les affaires. Le raisonnement. Enlève le
Que la connaissance de la parole.
Est-ce que tu veux acclamer pour moi? Acclamer pour moi, pour encourager les gens de Dieu. Encourager les gens de Dieu. Merci beaucoup les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Seigneur, amène ma ville encore au-delà. Et le Seigneur vous amène encore au-delà. La zone dit moi, ministère vous amène. Je crois au ministère que Dieu vous a donné. Les Alipamboli d'abord pour la main. C'est une bénédiction d'abord pour et pour l'église. Oui. Et pour toute l'église. Ok. De l'idoté à Nicolo, n'a dit Yaban. Nous voulons prêcher au sujet de la nourriture des enfants. Donc, il va toujours sous terre, il y a un message pour te mandat. C'est notre sous terre du message qu'on a commencé. De l'obéi était moi là. Nous disons qu'un enfant. Azana l'olenge naye oye azalaga. À sa manière d'être. Qui diffère des adultes. Bisopé quelque part aux abalins. Nous quelque part aussi nous sommes enfants des dieux. Et tant que bas, enfant. Et ce n'est que toi qui dois un papa. Devons savoir que nous avons un papa. Et chaque responsable. Chaque responsable. Chaque papa ou bien chaque parent. Chaque papa ou chaque parent. Azan un rôle. Il a un rôle. Il y a pour Luca pour protéger la famille. Il cherchait à protéger sa famille. Il y a pour Luca pour la famille en charge. De prendre sa famille en charge. J'espère que mon amour est en tant que responsable. J'espère que chacun d'entre nous en tant que responsable. Azan un rôle dans la famille. Ce rôle là dans sa famille. Rôle il y a papa. Le rôle d'un papa. Et ça pour protéger la famille. C'est de protéger sa famille. Rôle il y a papa. Le rôle du papa. Et ça pour laisser sa famille. C'est de nourrir la famille. Et ça un rôle que papa Azan on a quatre ta famille. C'est le rôle que le papa joue dans sa famille. Mais nous aussi, bisopé. Nous aussi, et c'est tout savoir que nous avons un papa. Papa, où tu papa que nous avons un rôle qui va jouer dans la vie. Un rôle qui doit jouer dans nos vies. Papa, où tu as un rôle rôle qui doit jouer dans la vie. Il a un rôle à jouer dans la vie de chacun. Apporte pour la lobby. Est-ce que Nathalie nous a dit pour enseigner le côté Nathalie nous enseigne du son. Nathalie nous enseigne. Oh, il y a papa qui doit jouer dans la vie. Nos papas humains qui ont dans leur famille. La même chose aussi. Papa qui a dit oh il a abondé mis son amour notre papa qui nous a engendré dans la foi j'ai mis un de la mission c'est notre Dieu a zappé la responsabilité d'ailleurs il a aussi sa responsabilité vis-à-vis à Bana vis-à-vis de ses enfants alors on plaquait dans le baga nous on plaquait j'ai dit à tout moment oui, on sera la prière, c'est qu'ils ont fait battre la mission. On va pas faire la prière Dieu. Et ça, responsabilité à papa. C'est la responsabilité à papa. Papa, ça n'a pas protéger famille. Papa est là pour protéger la famille. Papa Jean-Jacques Malga Sabé. Papa Jean-Jacques Malga qui prie. Papa Jean-Jacques, tel que tu pries. Sois sincère. Sois sincère. Tout le monde raconte. Quelqu'un honte. Abat ton bête à Foster. Commence à frapper Foster. Papa, tout sera sporté. Papa, même si tu n'as pas fait le sport. Tu vas lui donner un coup. Papa, n'a pas dit. Ai-je menti, papa? Même ma maman. Même les mamans. Maman, 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 papa, vous êtes en train de discuter. Maman, une maman qui m'a dit papa. Ah, vous pouvez dire la maman à papa. Il est en train de frapper mon enfant. Donc, parce que parents nous sont. Parce que tout parent. A un rôle. A un rôle. Il y a pour protéger ses enfants. Tout le monde a la même bannière. Nous voyons même les bêtes. Tout le monde a la même soso. Nous voyons même une poule. A ça, ma casse, ils vont les garanter. Elle n'est pas plus forte que toi. Mais ce qui a porté pas dans la haie. Si elle n'est pas, c'est ce qui a porté. Ce qui a porté pas dans la haie. A côté de la Gigoliath, tu l'as porté. A consigné, yo. Elle va te suivre. Pourquoi il y a protégé pas dans la haie? Elle veut protéger. Mais nous aussi. Nous avons un père. Nous aussi. Nous avons un père. Demande des combats spirituels. Devant les combats spirituels. Devant les sorciers. Devant les sorciers. À un moment donné, comme nous nous sommes lancés à la prière, il a été. Normal papa. Papa. On sait papa n'a pas. Rôle n'a yo. Et ça fait pour protéger notre enfant, la fils. À un moment donné, il faut donner ma identité, ma mission. Il faut donner ma rôle aux alliés. Comment nos alliés n'est que positionner mission devant Zambé. Pas nous positionner devant Dieu. La raison pour laquelle. Enfant prodige. Enfant prodige. Enfant prodige. T'as la découverte d'identité. Il a découvert son identité. Enfant d'Aki Nabal. Il s'est réuni avec les gens. Avolia. Qui mangeait. Avant Sakana. Qui jouait. A commencé à n'importe quoi. Il faisait du n'importe quoi. Mais moi, il m'a dit la vie. Non, il s'est ressaisi de l'identité. Nasa n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Nasa, moi, non. Je suis fils. Nasa Nataka. J'ai un père. Même si Nasa n'est pas père. Si je revenais, je même père. Si Nasa n'est pas père. Si je retourne auprès de lui. A découvert l'identité d'Aki Azana. Il a découvert son identité. Bien aimé, on sait n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Alléluia. Amen. Nous sommes étant que papa n'a mis son. Dieu étant que notre papa. A ça, on a rôle à protéger. Le rôle de nous protéger. Peut-être que la Bible dit. Tu n'as pas lu dans la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu, comme Bible le dit. Bible le dit, où est abattu de la gueule d'Israël. Elle dit que celui qui protège Israël. Allah m'a gâté. Et son nom. Anim m'a gâté. Il est d'or.
Pourquoi ça m'a battu l'Israël? Pourquoi tu veux protéger Israël? C'était par rapport à l'alliance, non? C'était par rapport à l'alliance. Docteur, là aussi. Docteur, je mentis. C'était par rapport à l'alliance. C'était par rapport à l'alliance. Israël a prié que Israël dit alliance. Oui ou pas, c'était une alliance. Ça, il y a des choses qui ne vont pas prier. Ça rôle, c'est un rôle à papa. Tu ne peux pas prier sur le rôle du papa. Mais il y a quelque part, tu l'as dit. Israël, quelque part. Pour que je puisse au moment, tu l'as dit. Nous sommes endormis. Papa. Nous n'avons pas prié que Dieu nous protège. C'était en Équateur. Dans cette ville, il y a des sorciers. Je suis fatigué. Dieu est comme notre papa. Va nous protéger. Les enfants de Dieu ont peur. Ils oublient qu'ils ont la paix. Papa rôle est la protection. Le rôle du père c'est la protection. Azo protéger famille. Il protège la famille. Son papa ou azo protéger famille au lieu de Zali. Papa qui protège la famille que nous sommes. Alain Lacadé dit il est dort. Anim Bagadé. Somnole pas. Attends, attends, ils sont qui me donnent la vie ici? Non. Le même un instant. Qui Alain Lacadé? Si lui ne dort pas. Tant mon travail pas ça nous m'a dit. Quand quelqu'un viendra te faire du mal. Chose en bas dans ce cas. Mais Dieu va se mettre à rire. Osant un papa. Tu as un papa. Rôle à papa mais ont abattu là. Le rôle de ton papa c'est de te protéger. Mais là, qui? Mais j'avais dit. Bible lobby. La Bible dit. Après si Baron Bokunz. Il leur a donné le pouvoir. Après si Bokunz plutôt. Il a donné le pouvoir. Pour n'avoir aucun sur Bayambi. Pour tous ceux-là qui l'ont reçu. Il y a beaucoup ma bande en Zambie. De devenir enfant de Dieu. Pourquoi maman en Zambie? De devenir enfant de Dieu. Il y a des conditions. Il y a des conditions. N'avais première condition. J'avais dit première condition. Il faut d'abord croire en Jésus. Il faut d'abord croire en Jésus. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Si tu es dans l'église, tu mets en doute Jésus. Et bah, déjà côté. Sache que tu es déjà à côté. Premier critère. Comme d'abord, moi, dans un bébé, devient enfant. Il faut croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxième critère. Il faut que tu baptême. Il doit accepter le baptême. Troisième critère. Il faut que tu baptises de l'esprit. Il doit être baptisé de l'esprit. Ces trois choses-là, il a quoi la mise à l'eau. Mais ils ont commis ça pour tout le monde dans un pays. Ils font de quelqu'un enfant. Parce que dans ma lobbyité, Dieu dit, à tous ceux-là qui l'ont reçu. Mais là, il faut se poser des questions. Maintenant, nous devons poser des questions. Pour qu'on ma Christ, si quelqu'un reçoive Christ, il faut que tu as il doit faire qu'est-ce qu'il veut. Mais on a trois critères. Quand je donne les apports comme ta fourmoli, c'est la porte. Mais c'est Christ qui a fait la carte. Christ siège en lui. Mais souvent dans la carte d'église. Si tu es dans l'église, tu n'as jamais été baptisé. Mais il n'y a pas que nous avons rempli ma critère. Tu ne remplis pas les critères. Je n'ai pas baptême de l'esprit. Tu n'as jamais été baptisé de l'esprit. Nous avons rempli ma critère. Tu ne remplis pas les critères. Mais pour moi, comme à moi dans ma zambé, pour que tu deviennes enfant de Dieu, il faut remplir ma critère. Tu as rempli tous les critères. Je n'ai pas baptême. Tu n'as jamais été baptisé. Nous avons baptême. Cherche à être baptisé. Je n'ai pas baptême de l'esprit. Tu n'as jamais été baptisé de l'esprit. Nous avons baptême de l'esprit. Cherche à être baptisé de l'esprit. Et ça, très important. C'est très important. Pour que tu aies comme à moi dans ma zambé, pour que tu deviennes enfant de Dieu. Maintenant, étant qu'on fait, est-ce qu'on t'aurait pas été? Nous devons savoir. Nous avons la nourriture où il y a Nous avons notre nourriture. Nous t'as dit dans le livre de Matthieu. Lisons dans le livre de Matthieu. Nous t'as dit dans Matthieu 15. Matthieu 15, 26 jusqu'à 27. Après, nous t'as dit deuxième passage. Matthieu 6, de 9 jusqu'à 13. Deux passages que vous expliquez après tout ceci. Où il a été? Non, pas du tout. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Jésus quitta cet endroit et vint sur le bord du lac de Galilée. Il monta sur la montagne. Non, jusqu'à 27 ans, nous débordons, je crois. Nous avons débordé. Maintenant, on prend Matthieu 6. Matthieu 6, de 9 jusqu'à 13. Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alors, la carte d'un passage à Matthieu. Ici, dans le passage de Matthieu. Bah, j'ai expliqué, Michel, on va c'est pas ça qui n'a Jésus. On nous explique ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, quand on a une abaye pour lui. Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples. Bible le dit pour lui. La Bible dit ceci. Et là, qui, dans moi, si mon corps, a gagné un problème. Il y avait une femme qui avait un problème. Le problème, c'est qui, a gagné combien de sa femme. Le problème, c'était que sa fille était malade. Moi, on a eu à moi, si t'as gagné combien là. La fille qui était malade. A gagné pour nous caler, moi, là, oui, pour pika. Elle cherchait comment est-ce qu'elle pouvait être guérie. Bible le dit. Bible dit, elle a gagné sa part Jésus. Elle a appris, il a entendu parler de Jésus. Aïe, la mort, la naïe, et pas Jésus, pour Jésus a dit qu'il s'est. Elle a ramené son enfant auprès de Jésus pour que Jésus la guérisse. T'as ma combi, naïe, pas Jésus. Parce qu'elle est arrivée auprès de Jésus. Jésus a initié vous. Jésus lui dit ceci. Bile, il n'y a pas dans. Bile, il n'y a pas dans. La nourriture des enfants. Ma paix, ça t'a un et pas dans ma boîte. On ne la donne pas aux petits de chiens. Et moi, si on est allé plus loin. Et cette femme est allée plus loin. Elle est ici, même quoi, elle a ganassé. Même ce qui tombe de la table. Bah, moi, pas profiter à la les chiens en profitent. Amen. Jésus a dit chez vous. Jésus lui dit ceci. Tellement qu'on l'imane, ça m'a cassé. Tellement que ta foi est forte. Moi, on a dit qui ça. Ta fille, que ta fille soit guérie. Et moi, on a dit qui ça, moi. Et sa fille était guérie. Dans quel passage, pour eux. Dans ces passages. Moi, si on a dit un problème. Cette femme avait un problème. Le problème n'est pas que moi n'en ai habité dans la carte de maladie. Le problème était que sa fille soit guérie de sa maladie. Donc, aïe, la moi n'en ai pas Jésus. Parce qu'elle a ramené son enfant auprès de Jésus. Jésus a dit si il n'y a pas, non. Jésus lui dit la nourriture des chiens et des enfants. Non, la Bible, il n'y a pas dans ma cause. La nourriture des enfants d'autorité. Ma paix, ça qu'on n'est pas dans moi. On ne donne pas aux chiens. Mais il y a un problème n'aïe. Mais elle, son problème. Et là, il y a bien, il y a pour aider. Ce n'est pas la nourriture physique. Mais le problème, c'est là qui. Son problème, c'était. Moi, j'en ai, elle va m'obéir dans la carte de la maladie. Que sa fille soit guérie de sa maladie. Non, mais c'est lui, obéir sa moi, là. Moi, je demande de guérir ma fille. Mais il y a un autre qui m'a envoyé. Toi, tu me parles de la nourriture. Rapport, les amis, entre guérison. Entre la nourriture et la guérison. En réalité, dans le langage prophétique, dans le langage prophétique, il y avait quelque chose qui était caché là. Et donc, comment que Gomba Maki? Parce que le problème, d'ailleurs. Parce que son problème. Et là, qui guérison, moi, là, là. C'était la guérison de sa fille. Mais Jésus est ici. Hein? Jésus lui dit. Bilé, il n'y a pas d'abacosi. La nourriture des enfants d'autorité. Ma paix, ça ne pas mal à m'emboîter. On ne la donne pas aux petits de chien. Jésus a dit qu'on met un angle beaucoup prophétique. Jésus lui a mené dans un angle prophétique. Il y a un problème, mais il a dit guérison. Là, son problème, c'est la guérison. Moi, j'ai dit qu'on sa fille est malade. Moi, j'ai dit qu'on met tout ça mort. Sa fille est problème. Ma carte, ta problème, elle a dit qu'on met ça. C'est un problème de maladie. Christ, moi, je pour la mort. Là. Christ, prie pour mon enfant. Jésus a dit qu'il n'y a pas d'abacosi. Jésus dit la nourriture des enfants d'autorité. Ma paix, ça ne rentre pas mal à m'emboîter. On ne donne pas aux enfants. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Guérison au moins ça pour nous. La guérison dont cette femme avait besoin. Le langage dont Christ va y parler. Le langage dont Christ parlait. Guérison moi non. Cette guérison là. Et c'est là qui bille. C'était la nourriture. Mais guérison moi non. Cette guérison. Et là qui bille pour lui pas. C'était toute une nourriture. En quoi soit là allez pour nous qui pas maître. Et cette femme cherchait auprès du maître. La non plaquette Christ est ici. La non plaquette Christ lui dit. Bille y a pas la bacosie. La nourriture des enfants d'autorité. Ma paix ça ne rentre pas la bacosie. On ne parle pas aux chiots. Et maintenant tout nous disons la quête dans Matthieu 6. Si nous retournons à Matthieu 6, voyez qu'on y va là qui n'a Jésus. Disciple était avec Jésus. Jésus a dit qu'on a savoir comment vous êtes responsable. Me montrez comment prier. Amis, tant qu'on a dit qu'on s'en là. Lorsque vous priez. Et là, point que vous pointé à. Il y a un point que j'ai marqué ici. Jésus a mis la maman. Jésus leur dit ceci. Conseillez Père, papa. Demandez auprès du papa. Après, ça dit qu'on il y a mon colonne. Qui vous donne la nourriture quotidienne. Donc directement. Directement. Donc comment la guérison pour la Christ à mon bâti. Donc là-bas, Christ. Pour la guérison à moi sur moi là. De cette femme. Alors, qui n'a besoin de nourriture. Il avait besoin de la nourriture. Ah, mais Christ, on a travaillé pour lui. Si Christ est mort. Ah, mais c'est pour aller qu'on priait. Vous priez. N'a pas prié, Nabino. On vous priez. Oui, il s'en papa. Dites-toi. Ah, mais c'est Nabino, il est à mon colon, à mon bout. Donne la nourriture quotidienne. N'a-t-il pas la moutou mon colon. Dites à quelqu'un. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. On s'en passe là. Que Dieu a créé. Et ça, la nourriture, on s'en met pas ça. Il est attaché une nourriture que Dieu a créé. Je répète et je dis à quelqu'un. La moukolonie, on s'en va, ça chaque jour que tu as créé. Et dans la nourriture, on s'en va, et c'est-à-dire après ça. Et nourriture, moi, non.
nourriture là, et Seigneur, tu dois la demander. Il y a mon Christ à l'obéité. Quand vous allez vous sembler là, vous priez, on sait à papa, demandez à papa. Après, ça dit nos billets à mon corps. Vous donne la nourriture quotidienne. J'ai l'obéité billets à ma conzi. La nourriture des enfants de toi. Ma paix, ça ne va pas à ma boîte. Ne la donne pas aux chiots. Mais dis-la, voilà, vous dites à quelqu'un. Problème, non, mais des aliments là. Ton problème, peut-être, c'est la maladie. Mais tes problèmes, non, ils allaient pour ça là. Peut-être, c'est le travail, ton problème. Mais tes problèmes, non, ils allaient pas à ma galie pour yokate. Ton problème, c'est les enfants qui l'écoutent. Mais tes problèmes, non, ils allaient mariage. Peut-être ton problème c'est le mariage. Mais le problème c'est la vie à couple, la vino. Peut-être ton problème c'est la vie de ton couple. Mais le problème c'est la vie ma tête. Peut-être ton problème c'est des dents. Toutes ces problèmes. Toutes ces. Yéva que Eva la bilaye n'ango. Il y a une nourriture là. Yéva que Eva la bilaye n'ango. Ces choses ont leur nourriture. Et Christ a Yéva qui. Christ le savait. Que du jour au jour. Que à chaque jour. Nous avons problème. Nous allons rencontrer des problèmes. En plus nous avons problème. Plus nous rencontrons des problèmes. Yéva que nous colonions. Sache que chaque jour. Yéva la nourriture nous avons mis ça. Une nourriture. Que Dieu a préparé. On a résolu le problème. Pour résoudre ce problème. Et c'est la carte à tu dois avoir en toi. Et c'est la carte à il faudra qu'en toi. Et tant que moi, non. Et tant qu'enfant. On croit que papa n'est pas capable. Tu crois que ton papa est capable. Parce que papa. Parce que papa. A mis sa nourriture pour là. Il a préparé une nourriture pour toi. Oui, mais Christ a dit qu'on parlait. Avec Christ lorsqu'il parlait. A dit il dit la nourriture. Il n'y a pas dans ma cause. Les enfants d'autorité. Ma mère, ça ne va pas dans ma boîte. On ne la donne pas au chou. Dans ce moment-là. En ce moment-là. Dans ce moment-là. Dans ce moment-là. Israël. Israël. Elle a dit conseiller le bon peuple ensemble. Il était considéré comme étant le peuple de Dieu. Israël a dit conseiller le bon ensemble. Israël n'était pas considéré. Parce qu'il y a une différence entre le peuple et moi. Parce qu'il y a une différence entre le peuple. Israël a une nation qui m'a choisi. Israël, c'est une nation choisie. Nous sommes pas une nation choisie. Nous ne sommes pas une nation choisie. Nous sommes des enfants. Nous avons dit que Christ avait parlé. C'était pas pour Israël. C'était pour toi. C'était pour moi. Et crois dans ton cœur. Que chaque jour, il y a une nourriture que le Seigneur a préparé pour toi. Et il y a un moment où tu as la bonne cette bonne année. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et c'est la nourriture, on s'en va pour toi. Il y a une nourriture que Dieu a préparée pour toi. Oui, mais nourriture, il n'y a pas des enfants. Il y a toujours une nourriture pour les enfants. Christ a se retrouvé dans la carte du désert. Christ se retrouve dans le désert. Bible la Bible. La Bible dit. Bakbalandi est belé. La foule s'est approchée de lui. La carte tabatoua la voyant qu'il s'en. Au milieu de ces gens-là, il y avait la famille. Je n'ai pas eu lui. Jésus a dit à ses disciples, allez, il donne-leur à manger. Ah, tu voulais ça pour moi. Ici, comment on peut le nourrir? Parce que Bilo va aussi mes parce qu'il n'y a pas de quoi acheter ici. Mais. Et ça, il y avait un enfant. Il y a toujours une nourriture pour les enfants. Il y a toujours une nourriture pour les enfants. Est-ce qu'il y a pas dans ça? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Écoutez, c'est le papa de Balobi. Et pour ces enfants. Mais. Et ça, moi, l'amour. Il y a un enfant. Aza n'a lit pas. Il y a le pain. Aza n'a poisson. Il y a le poisson. Il y a toujours une nourriture pour les enfants. Amen. Oui, dit maman sera abîmée. Hein. Mais si maman sort. Ça va aussi un trajet. Ça va faire un long trajet. Maman. Maman, dans sa kinaï, dans son sein, si elle sort avec les enfants, elle ne manque pas de preuves qu'elle a des enfants. Est-ce qu'elle a aussi? Est-ce qu'elle a aussi? Est-ce qu'elle a aussi? Est-ce qu'elle a aussi? Rien pour ça, mon. Mais toi, si tu es un enfant, t'as vu maman sous son tel nom d'habit comité, vouloir ou pas. Et tant que moi, là, il est ton enfant. Non, bénéficiaire. Qu'est-ce que je bénéficie? Mais vous la bénéficiez à quoi? Et tant que moi, je la bénéficie des doigts comme un enfant. Il y a des choses qu'il faut réclamer. Il y a des choses que tu dois réclamer. Il y a un Christ à l'obéir. Quand vous priez, quand vous priez, vous savez la bilée, il y a mon colonna. Demandez la nourriture quotidienne. Christ va vous parler du chaud. Qu'est-ce qui nous parle? Jésus va vous parler du chaud. Jésus qui nous parle. À Outé Nicolo. Il est venu du ciel. À Outé Nicolo. Il est venu du ciel. À mon acquis nourriture, on s'en va préparer pour la main. Il a vu la nourriture que tu as préparée pour le monde. Habitons, on prie. Vous savez la demandez. Habit, parce que là-bas, Pokuna. Il est les alliés à la nourriture. Il est les alliés à la nourriture. Écoutez, c'est le plus loin. Écoutez, c'est le plus loin. Pour aller plus loin. Dis-le au Bible. La Bible dit ceci. Il nous a bénis. À pas molibiso. N'a toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Mais où? 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 Pensez que c'est pour les païens. Cette bénédiction-là. N'est pas molibiso. C'est pour les enfants. Les apôtres là-bas. Amen. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Parce qu'au Christ, hein. Christ, à mon accord déjà bénédiction à Babel. A vu la bénédiction. Pardon. Avant la bénédiction, c'est secret. C'est comme si nous parlions en secret. Habitant, sous
vous parlez avec papa tous les jours, c'est pas qu'à papa. Demandez à papa. Appelez ça au lit pas. Qui vous donne le pain. Il y a un homme qui est au quotidien. Parce que où là? Parce que là-bas. Là, il m'a pas. J'ai vu le pain. Et c'est bien. Il y a même l'abondance à yo. Pour vous. Et chaque jour, papa n'a programme à yo. Papa dans son programme. Alors, c'est comme ça au lit pas. Arrêtez de vous jouer. Il y a un homme qui est en prière. C'est là qu'à personne au lit pas. Il y a un homme qui te donne le pain quotidien. Et tu pas là? Et ça lit pas que. Et ta solution maladie n'a pas. Et ta solution ma fatigue n'a pas. Et ta solution ma moustache n'a pas. Il y a pas de tel qui pas non, il y a de quoi l'amour. Est-ce que vous voulez amen? Est-ce que tu peux dire amen? Si pas de quoi la zamboua dans ça? Si pas de quoi je suis enfant de Dieu. T'as pas dit au maman, nous sommes tous en train de faire. Maintenant, il y a d'autres choses. On peut être clair avec Dieu. Devant être clair avec Dieu. Tu es dans un monde. Si je suis un enfant. Non, bénéficie. Qu'est-ce que je bénéficie? Parce que c'est un enseignement. Parce que c'est un enseignement. Moi, je suis obéissant. Tout enfant est obéissant. A bénéficié quand même, non? Qui bénéficie. Vous avez, madame. Vous avez des enfants à la maison. Mon amour poli. Un enfant poli. Où tu es pour l'accueillir? L'enfant là-bas, il va. Où tu es pour l'accueillir? Tu viens de me dire. Ramène-moi. Ah, il va, il te ramène. Afin de. Ah, il va, il prend. Ah, casse. Il va, il prend. Toi, je te dis. Moi, nous, à l'Iga, la bitinde. C'est un problème pour l'enfant. Yo, yo, la. Comment l'Iga? Ça, ça sort des bada. Yo, la consomme, bébé, le gomo. Toi, je vais acheter quelque chose. Pourquoi? Moi, on a tout ça. Parce que cet enfant est obéissant. Ah, bah, répète, bah, ça, mais pas dans ma consomme. Bah, ça. Il a consommé dans ça. Seigneur, la tika est comme. Seigneur, la tika polipa. Seigneur, la tika le kouta. J'abandonne le kouta. Je suis un peu obéissant. Mais arrête tout. Mais en retour. C'est un peu comme. Ça va bien. Et ça, madame, aussi, tu vas te faire. 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 On ne doit pas prier pour tout. Mais nous avons un bon délaté. On ne doit pas prier. Parce que les gens, surtout, il faut prier. Parce que l'évangile aujourd'hui nous montre qu'on doit prier sur tous les sujets. On va prier. Que tu te marres. On va prier. On va prier. On va prier. Dieu, c'est comment on va prier. Mais toi, n'a papa. Ton papa, avant, après ça, il faut nous forcer. Parce que prier, tu vas nous forcer. La prière, c'est forcer. Parce que papa, il ne faut pas s'en aller à la volonté. Mais le papa n'a pas de. Donc papa, il ne faut pas s'en aller à la volonté. Papa lui-même n'a pas l'amour de donner à ses enfants. Vous savez, mon père, papa, pour l'amour qui peut. Il y a un moment, papa, c'est là. Maman, sort des manières, là, on y bat. Maman, il y a des soldes maintenant. Tout ça, on va plaisir. On va faire plaisir aux enfants. On va faire un tour, on va acheter quelque chose. Jésus a l'oublié. Jésus dit. Ceux qui battent papa, Nabino. Si nos pères. Ceux qui battent méchants. Ils sont méchants. Ceux qui ont saigné l'IPA. Ils demandent du pain. Avant que ce l'IPA. Ils demandent du pain. Boni, boni. Ils ont pris des choses. Tout ça, c'est des choses. Ceux qui ont une attaque à profondeur. Ils sont dans la profondeur. Dans la quoi, ma cœur, on est dans la terre. Ils ne sont pas les pères Michel. Madame, vous rappelez les amis, ils ont appelé moi. Jésus, tu m'appelles, a dit, je suis ton enfant. Et moi, grand frère, là, c'est comme mon frère aîné. C'est une moyenne d'assaut de la sécurité à papa. Même si tu veux demander quelque chose à papa, prise n'a souhaité à papa. Sa dernière prise c'était papa. Naïba. Je veux savoir. Est-ce que l'enfant, moi, là, suis-je vraiment ton enfant? Soit malical, mais bon, donc, à l'égard de qui va demander quelque chose. Mais question autour de moi. C'est quelle question que tu me poses? Voilà, je savais que tu n'auras pas. Parce que ça, de maman, là. Parce que je suis vraiment ton fils. Papa, est-ce que vous avez marqué tes papa, tu ne remarques pas ces derniers temps. Mais là, ok, l'école. Que je vais aller pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je suis où est-ce que les chaussures sont déjà. Mais les amis, c'est l'autre de moi. Tu as des chaussures usées. Papa, ça, moi, là, je suis ton fils. Je ne peux pas acheter une nouvelle chaussure. Papa, tu vas sortir dans la boucle. Papa, si on pense là, il est déjà. Tous à ban. Nous sommes des enfants. Tous à tata. Nous avons un papa. Mais regardez son arabe, tata. En lingala, ça sonne mieux, tata. Toi, na tata. Nous avons un papa. Nous avons un maïa, tata. Lui, le papa. Na katia vina yo. Dans ta vie. Ça, des fois, je vais relever à papa. Tu vas jouer le rôle de papa. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'en aller? N'oublie pas. Papa, na yo. Ton papa. Il a sa coach à moi. C'est lui qui est le coach de ce monde. Amen. Et voilà. C'est comme. Moi, dans une équipe de football. Un enfant qui joue dans une équipe de football. Papa est mon coach. Son papa est coach. On doit mettre l'équipe à football. L'équipe joue dans une équipe de football, c'est le monde, cette équipe. Parce que papa n'a yo. Mais ton papa. Mais coach à moi. C'est lui qui est le coach de ce monde. Parce que la Bible est au Parce que la Bible dit ça. Il a Amen. Ce monde dans sa main. Ça, même d'avoir décidé. C'est Dieu qui décide. Il m'a coaché. C'est lui qui coach. Papa m'a coach. Son papa est coach. J'ai confiance.
Elle a confiance. Oh, bah, là, bah, pas, papa. Les enfants ont place dans leur papa. Tchakwe pas place-la en Dieu. Tchakwe pas en Dieu. Quelle que soit la grandeur à l'état. Quelle que soit la grandeur au niveau de l'état. Mais il y a un tel et la tata. Alors, il y a un tel et la tata. Tant mieux, la bébé là. Regarde celui qui est à côté de toi. Yébisaïa. Dis-lui. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Il y a un tel et la tata. Toi, regarde, la papa. Église, la mission. Dans notre église. Bonjour à ça. Que nous ayons la salle. Bonjour à ça, t'es une bonne. Tout à l'heure, il dit. Nous regardons. T'as dit que nous sommes bien là. Papa, c'est que nous vivons. Vous voyez bien moi la souci à Moussana de Gouligaza. Vous croyez que vous êtes plus préoccupé de cette œuvre? Il y a des serviteurs dans la Zabala sur Moussana de Gouligaza. Il y a des serviteurs qui sont plus préoccupés que Dieu de son œuvre. Nous avons la souci à Moussana de Gouligaza. Nous ne sommes pas plus préoccupés de son œuvre plus que Dieu. Parce que, oh Christ, ça a eu l'air de Moussana. Ce que Christ a fait, toi et moi ne pouvons pas le faire. Donc Christ a la souci à Moussana de Gouligaza. Parce que Christ est préoccupé de cette œuvre plus que nous. Mais nous voyons la souci à Moussana de Gouligaza. Puisqu'il est préoccupé de cette œuvre, Moussana en charge. Il prendra cela en charge. Il va créer pour nous un espace. À ton besoin, nous l'aurons. Et nous avons la mission. Ce que tu me demandes, c'est quoi? Vous allez confiance. Nous faire confiance. Vous avez confiance au Banabasa. Vous avez confiance que tes enfants te font. Vous savez où tes amis. Fais-le aussi pour Dieu. À la maison, sur ton compte, tu as 0-0. Ça respire. Moi, c'est toute expérience que l'enfant te demande quelque chose. Il dira que je n'ai pas l'argent. Mais après deux jours. Après deux jours. Il va encore te demander quelque chose. Alors ça va confiance. Si moi ici, bon, ça va, c'est un homme qui m'a pris. Attends, on va. Il croira seulement que tu vas lui acheter. Mon confiance là. Voyez cette confiance là. C'est ce qui nous manque. Tu pries Dieu, guéris-moi. Tu pries Dieu, ouvre-moi les portes. Par rapport. Par rapport. Il y a carrière là. À ma carrière. Vous priez Zambé. Tu pries Dieu. Souvent ma papa m'étude là. Aide-moi par rapport à mes études. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Dieu veut que nous fassions confiance. Et Dieu bénit ça. J'aimerais que nous puissions prier. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Est-ce qu'un enfant peut parler à son papa? J'aimerais que nous fassions une prière. Nous allons adorer d'abord ça. Priez maintenant, nous allons adorer. Chantons d'abord, ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas les yeux. Nous allons prier pour Kanamis. Nous faisons la prière, mais ne ferme pas les yeux. Nous allons papa. Nous allons parler avec papa. Le Seigneur. Seigneur. Nous allons prosoper ça là. Juste pendant là, il y a lundi. Mon fin, lundi. Nous allons commencer la semaine. Nous allons commencer la semaine. Hein? Nous allons commencer dans la libre pour Polo. Deuxième, nous demandons notre pain au quotidien. Tout c'est la vie par lundi. Demandons le pain de lundi. Oh, papa, vous c'est pour la mission lundi. Lundi, d'abord. Pour nous, c'est lundi. D'accord, ça nous a fait confiance. Fais confiance en Dieu. Papa, présent. Oh,
qui te donne le pain de lundi. Le pain que tu as donné. Je vais vous dire qu'on a dit là. Tu dis lorsque vous priez. Oui, dis à papa. Dis à papa. Après, c'est dit non, lipa à mon colon à mon colon. Tu donnes le pain quotidien. Lipa à moi, c'est pain là. Et oui, quand on a la porte, on a la diable pour la faire avec ça là. La porte que tu veux ouvrir pour les parents. Lipa à moi, c'est pain là. Et oui, quand on a la guérison là. Ta guérison. Lipa à moi, c'est pain là. Et oui, quand on a la mariage pour la vie. Ton mariage. Madame, on sait que pas à ça. On s'est demandé à Dieu. Après, c'est un lipa à moi, on a fait donner le pain quotidien. Non, la porte. Il va jouer son rôle de papa dans ta vie.
Il va jouer son rôle de papa dans ta vie. Il va te protéger devant les attaques. Il va te protéger devant les combats. Parce qu'il est ton papa, crois dans ton cœur. Quelle que soit la grandeur de ton problème. Quelle que soit la grandeur de ton problème. Commence à croire, commence à croire. Il est là, il est là. Il est là, il est ton papa. Il est ton papa, crois dans ton cœur. Crois dans ton cœur. Crois dans ton cœur. Enlève les doutes. Enlève l'incrédulité. Ouvre ton cœur à lui. Ouvre ton cœur à lui. Commence à ouvrir ton cœur à Dieu. Commence à ouvrir ton cœur à ton papa. Comment t'as envie ton cœur à ton papa? J'ai dit comment t'as envie ton cœur? J'ai dit comment t'as envie ton cœur? J'ai dit comment t'as envie ton cœur? Il est là, il est là! Il est là, il est là! Il est là, il est notre papa! Il est notre papa! Il va agir comme un père! Il va agir dans ta vie comme un père! Devant ses combats! Devant ses problèmes! Il va agir comme un père! Oh! Let's
tu as fait, qui tu es notre papa. Regarde à nos familles, regarde à nos maisons, regarde les attaques, Seigneur. Nous prions, Seigneur, comme la plus grande, comme la plus grande. Quelqu'un qui est malade, il n'est pas avec nous parce qu'il va pas prier. Notre papa, il est fidèle. Crois comme un petit enfant. Enlevez les doutes. Je dis bien, enlevez les doutes. Cette semaine, tu verras quelque chose. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Si tu as un problème, passe devant. On va prier. Si tu es aussi malade, passez de vous. Cette semaine, ton papa va faire quelque chose. Ton papa va faire quelque chose. Par rapport à ce problème, ça peut vous dire, tu as prié, tu as demandé à Dieu, mais laisse-moi te dire, les semaines, on va commencer à partir de lundi. Il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Je sens le Saint-Esprit en train de me dire. Il y a quelqu'un parmi nous, il a des problèmes pour ses études. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à tes études. Devant, on va prier pour toi. Le Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur va t'accompagner par rapport à tes études. Merci, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à tes études. Mais je voulais t'assurer, tu as un papa. Tu as un papa. Alléluia, Seigneur, tu es notre papa. Tu es notre papa. Alléluia. Alléluia, tu es notre papa, Seigneur. Le Dieu de l'univers. Hey! Alléluia. Seigneur, comment ça visite ton peuple? Seigneur, comment ça visite ton peuple? Que
que soit le problème, quel que soit le problème, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Commence à visiter ton peuple, Seigneur. Ton peuple, ils sont venus devant toi, Seigneur, parce que tu es leur papa, Seigneur Jésus. Tu es leur papa, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses répondre à nos besoins, Seigneur. Là où il y a la maladie, papa, la maladie est incurable, Seigneur. Que la guérison puisse se manifester. Que tes enfants soient guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a des blocages, papa. Là où il y a des attaques spirituelles, Seigneur Jésus. Tu es là pour nous protéger, Père. Commence à protéger tes enfants devant les attaques. Commence à donner la victoire dans la vie de tes enfants. Commence à donner la victoire dans la vie de tes enfants. Commence à donner la victoire dans la vie de tes enfants, Seigneur. Seigneur, commence à offrir des pompes, Père éternel. Seigneur, commence à offrir des pompes, Père éternel. Et tant ta main au nom de Jésus. Et tant ta main au nom de Jésus. Et tant ta main au nom de Jésus. Je déclare, soyez béni. 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 Ben, et disons merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui écoute nos prières. Te disons merci, papa, parce que tu es le Dieu qui répond aussi à nos prières. Merci, Seigneur, parce que tu nous as écoutés. Seigneur, nous te prions d'agir au-delà de nos prières, Seigneur. Fais du bien dans la vie de tes enfants, afin que tes enfants puissent témoigner ton nom bien et bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes priés. Et nous disons amen. 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 S'il vous plaît, ça dépend de votre côté. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez écouter. Nous pouvons faire du bruit pour Christ. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Comme l'ancien Eric avait dit, j'ai vraiment, ça fait longtemps que nous parlons de chuter. Ça fait longtemps que je ne dis plus. C'était le plus passé, j'ai entendu. C'est encore quoi, ancien? L'album entendu. C'est quoi, c'est? Jésus est vivant. Il est vivant. Ah. Ça fait longtemps que l'on dit si l'on est vivant. On ne dit plus Jésus est vivant. La nuit, tout ça va bruit pour la nuit. Il faudrait que nous fassions du bruit pour la nuit. Et donc, tout ça va bruit pour la nuit. On va la faire. 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 Parce qu'il est vivant. Les tombeaux sont vides. Il est vivant. Il est ressuscité. Non. Ténèbres venaient sentir que Jésus est vivant. Ténèbres sentent vraiment que Jésus est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Thank you.
guérir. Jésus va pouvoir. Jésus est vivant. Maintenant nous recommençons. Pourquoi j'ai dit que nous avons fait un scouton pour dire choral. Donc parce que, nous avons tous et nous acclamons. Si elle est fan de tout à l'heure, regarde. Quel choral. Choral à Jésus. Elle est messager de poussin. Et si elle est du plan poussin fort. Pas la toque. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Amen. Nous sommes bénis, qui bénit comme moi aujourd'hui. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Et comme nous l'avions dit au départ, les choses se succèdent mais ne se ressemblent pas. Amen. Le Seigneur le sait. Il sait le pourquoi et c'est le comment. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il sait pourquoi il le fait en ce moment. Amen. Et nous voulons encore bénir notre Dieu. Lorsque nous voulons offrir à notre roi, Amen. Nous réfléchissons à deux fois parce que c'est le roi. Nous ne voulons pas lui offrir quelque chose qui manque de valeur. Nous voulons lui offrir quelque chose qui va nous faire mal. Nous refusons de lui offrir une offrande boiteuse. Nous voulons lui offrir une offrande qui nous coûte. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Nous avons prié qu'il est le roi et nous voulons offrir. Amen. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Et ensemble, nous allons bénir le roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Donner cette opportunité d'apporter encore dans ta maison. Bénis ceux qui l'ont donné.
Bénis également ceux qui n'ont pas pour toi aujourd'hui, mais leur présence soit une offrande pour toi. Seigneur, merci de donner l'intelligence, la sagesse à nos frères et sœurs qui nous aident pour l'utilisation de cet argent pour l'avancement de ton œuvre. C'est dans le nom merveilleux et glorieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons quelques annonces, c'est dimanche. Nous allons commencer par les gens qui nous visitent pour la toute première fois. Si nous avons fait notre travail, je voudrais voir le fruit de notre travail. Non, 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 non. Donc nous avons une dette alors. Je voudrais quand même saluer le frère Sacha, ça fait longtemps. Il est assis derrière là-bas. Que Dieu te bénisse. J'ai vu également le frère Béli qui est derrière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sinon, le 26 mai, c'est-à-dire le vendredi prochain, il y a retraite de l'intercession, ici même à l'église. Donc je demande aux responsables de ministère également de se joindre à cette retraite. Il y a retraite de l'intercession ici même à l'église de 22h à 6h du matin. C'est des gens qui prient. Sinon, on est habitué à prier 5 minutes, on lâche. Là, c'est des combattants et des combattantes dans la prière. Si nous voulons avoir cette habitude de prier comme ça, c'est le moment qui nous est donné. Vendredi prochain, 26, de 22h à 6h du matin, ici même à l'église, retraite de l'intercession. Donc, nous prions également aux responsables des ministères d'être présents. Sinon, nous saluons également la présence de Maman Lila. Comme vous le savez, Maman Lila avait perdu sa mère il y a quelque temps. Elle est partie l'enterrer et elle est revenue. Elle est parmi nous. Donc, comme on aime toujours le dire, c'est la femme de Papa Jean-Jacques. Et moi, je rajoute, c'est la mère de Mélanie. Elle est revenue. Et le samedi 27 mai, donc le lendemain, quand on est déjà chargé en prière, il y a retrait de deuil chez eux. Et c'est à Landen. Donc, je pense que le communiqué vont. Les annonces vont circuler dans le WhatsApp, et c'est à 15h, on pourra s'organiser pour le covoiturage ou pour les gens qui vont prendre le train. Comment organiser cela afin de rendre gloire à notre Dieu. Donc, samedi prochain, 27, à 15h à Landen. Covoiturage, tout ça, ça va être organisé. Troisièmement, moi, je n'ai pas assisté, malheureusement. Il y a eu retraite des hommes. Mais moi, je ne dirai pas plus parce que je n'étais pas là. Et comme vous le savez, le 10 juin, il y a réunion des couples. Et pour ces deux annonces, je vais appeler Papa Jean-Jacques, qui va nous donner un peu le résumé de la retraite des hommes, comment ça s'est passé. Et nous parler un peu de la réunion de couple le 10 juin. Père de Dieu, shalom. Shalom. Je voulais encore lancer les cris que Pasteur Takasa fait tout à l'heure, parce que j'aime bien. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Applaudissons pour l'heure. Ça, c'est une des petites choses qu'on oublie. Si on est là, si on est debout, si on respire encore, c'est grâce à Dieu. Amen. Ce n'est pas un hasard, c'est une grâce énorme, c'est l'union tout le temps. Alors, des fois quand on répète, ça nous fait du bien. Quand on répète, on prend conscience.
Voilà, comme on vient de dire à l'ancien syndicat tout à l'heure, et nous avions la retraite des hommes, c'était du vendredi au samedi. Alors, ceux qui étaient là, ils ont vu comment ça s'est passé. Bien sûr, c'est excusé parce que ta case était bloquée aussi. Il y a deux, trois frères qui ont appelé qui étaient empêchés. En tout cas, nous avons vécu de très, très bonnes choses. Moi, je vous dis clairement qu'il y a un moment donné, Dieu veut vous bénir. Et il veut que vous soyez à tel endroit. Alors, il va vous retrouver pour vous bénir. Si vous n'êtes pas là, vous ratez votre bénédiction. Et ça va chez quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous allez dire, l'autre est béni, pourquoi pas moi? C'est parce que vous ratez le rendez-vous. En tout cas, ça s'est très bien passé. Nous-mêmes, nous étions étonnés. En tout cas, les papas ont des histoires formidables. Et ça s'est révélé dans cette réunion. En tout cas, Dieu va faire de grandes choses. Et vous allez remarquer à cette église comment les papas vont se mettre. Tout simplement parce que nous voulons fonctionner. Tout simplement parce que nous voulons fonctionner autrement. Et le titre de notre retraite était les soldats du Christ. C'est un titre que Dieu nous a inspiré. Et ancien Eric qui était avec nous, en tout cas toute la nuit jusqu'au matin, je crois, il a décortiqué nos frères aussi. Mais nous avons compris, un soldat, vous le savez comment il fonctionne dans une nation. Il respecte la loi, il respecte l'ordre. Et ce sont des gens qui respectent plus les lois. Et l'ordre, disons, plus que nous, les civils, partout où nous faisons. Alors nous, nous voulons fonctionner comme ça. Va au front, tu vas. Va à droite, tu vas. Va faire ce que tu le fais. Alors si tu es empêché, il faut signaler. Mais Dieu voit l'état de ton cœur. Parce que tu es disposé, tu le veux, mais il y a une circonstance qui t'empêche. Là, Dieu voit l'état de ton cœur, tu seras toujours béni. En tout cas, en bref, la réunion a été, la retraite a été extraordinaire. La prochaine, je souhaite au papa qui n'était pas là, qui était peut-être empêché, ne ratez pas. Parce que vous avez des choses que vous devez apporter et recevoir en même temps. Amen. Et ce travail de Dieu nous demande beaucoup, beaucoup de disponibilité, de volonté. Et nous irons loin avec. Et Dieu, dans ses messagers, il fera des grandes choses. Je vous confirme parce qu'hier, nous avons vécu cela. Ancien Eric est témoin, vous le connaissez. Quand il parle et quand il le présente, ce qu'il fait. Vous le connaissez. Alors, le deuxième point, c'est la sortie des couples du 10 juin. Nous avons parlé la fois passée ici. Il y a des gens qui ont donné leur nom, des couples qui ont donné leur nom à M. Papa Sylvestre. Alors, nous voulons juste que ces gens-là qui ont donné les noms, qui puissent apporter les 10 euros qu'on avait demandé. Parce que la semaine, je crois, hein, papa, les 29, hein, nous avons rendez-vous avec le monsieur du restaurant. Nous devons donner un acompte, comme c'est prévu, 2 semaines en avance. Alors, il faut qu'on soit respecté. Comme on avait dit, il faut qu'on les fasse. Et les couples qui ont donné les noms, s'il vous plaît, veuillez donner cet acompte. Parce que si nous donnons le nombre 10, ça soit 10. Si c'est 20, c'est 20. Pourquoi? Parce que les couples qui vont arriver après, ça sera très compliqué. Et une réserve de place. Si vous venez après, avec, même si vous avez l'argent, s'il n'y a pas de place, on ne sait rien faire. Ce n'est pas notre endroit, c'est leur endroit. Alors, en dehors de l'endroit que nous allons occuper, parce qu'on a donné le nombre, il y a des endroits que leurs clients vont occuper. On ne peut plus les déranger. Voilà un peu pourquoi nous insistons. Ceux qui seront là, qui voient Papa Sylvestre et faire les gestes, et nous, à notre tour, on va faire tout ce qui reste. Voilà tout ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Quand le pasteur il a prêché, j'ai donné des communiqués ici. Quand il a donné l'exemple du pasteur Ali, il a dit il est pasteur à l'église, il est papa à la maison, il est avocat au travail. On a fini, on a prié. Mais une soeur m'a prise à côté. Elle m'a dit, tu as oublié. Il doit aussi être mari et modèle. Je ne la regarde même pas. Elle sait. Je dis, ok, dès que je joue, je veux passer pour donner le communiqué, je veux le dire. Vous savez, la réunion de couple, souvent, on a tendance à négliger. Mais il y a parfois, très souvent, presque toujours, des couples pour qui il faut s'inspirer. Comment ils marchent, comment ils sont. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Un jour, il y avait moi, l'ancien Eric, l'ancien Aimé et le pasteur Patrick. On est parti rendre visite à un couple. C'était pendant l'hiver. Pour vous situer un peu, c'est pour trouver une place de parking, c'est très difficile. Je pense qu'ils se reconnaissent déjà. On est arrivé, on nous a servi du thé,
dos des biscuits. Et puis à un moment donné, je vois la femme qui regarde son mari. Juste le regard. Et je vois que le mari part et il revient. Il dit, sinon il y a aussi des miels, des choses comme ça. Je ne suis bien moi-même. Juste par le regard, il lui a dit, tu vas dans l'armoire en bas à gauche, derrière la serviette. Je me dis, lorsqu'on m'a demandé qui vont être parmi les dirigeants, les responsables de réunions de couple, leur nom est déjà pointé. Qu'ils le veuillent ou non, moi j'ai déjà voté pour eux. Parce que toi, tu veux savoir c'est qui. Je ne dirai pas le nom. C'est un couple que j'apprécie beaucoup. Mais je demanderai simplement à quelqu'un si ce que je dis est vrai ou pas. Peut-être que c'est vrai ce que je dis ou pas. Tout le monde a compris. Sinon, le dimanche prochain, vous avez vu que le changement même de ton. Le dimanche prochain, pourquoi? Parce que le lundi d'après, c'est férié. Nous aurons un culte communautaire. Un culte où Mouzetani sera avec nous. Un culte où il va prier pour les anciens. Un culte où les anciens vont être consacrés. Donc lundi qui suit c'est férié. Donc venons tous ensemble à l'heure. C'est Jésus qui est, qui sera là, qui sera toujours au rendez-vous. Et comme on nous a expliqué, papa, on demandera à papa de nous donner le pain de ces jours-là. Donc lundi c'est férié. N'oubliez pas, dimanche nous serons ici, toujours aux heures habituelles, où nous allons passer un moment avec le Seigneur. Je pense que tout le monde a compris, tout le monde a saisi. Dimanche prochain, n'oubliez pas, mettez dans votre agenda. Sinon, est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui ont leur anniversaire, qui sont passés la cette semaine qui se termine, ou même aujourd'hui? Non, il n'y a pas d'anniversaire. Sinon, je rappelle simplement le programme de l'église, comme vous le savez. Tout le lundi, l'intercession se réunit de 18 à 20. Tout le mercredi, les mamans sont là. On ne dit plus le maman, excusez-moi. Les femmes sont là. Le jeudi, nous avons culte d'enseignement. Et le dimanche, nous nous retrouvons ici. À l'heure habituelle, si vous pouvez être avec nous, 15 minutes avant de commencer, nous avons notre intercession, avant de commencer les cultes, ici même. Donc si on est là déjà avant 9h45, c'est pour la gloire de notre Dieu, afin de préparer notre culte. Le dernier communiqué que je veux vous dire, c'est concernant le parking. Pour toute personne qui a une voiture, il est interdit, quand toutes les places sont prises, de mettre encore la voiture dans le parking. À ce moment-là, on sort, on met la voiture dehors. Pas de double fil, pas de voiture derrière une autre qui est déjà garée. Même si vous connaissez la personne, on ne garde pas en double fil. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a une grille qui est là. Deuxième interdiction, il ne faut pas garer devant cette grille-là. Parce que parfois, ils ouvrent pour que la voiture passe. Donc, il ne faut pas garer là. Et troisièmement, il y a, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il y a des gens de paillotes qui est là. Il ne faut pas non plus garer. Donc, il nous reste que peu de place. Vraiment. Nous, c'est ici. Je pense qu'il y a quelques deux, trois places et d'autres côté aussi. De l'autre qui. Donc nous c'est simplement cette rangée ici. Ça fait quoi? Cette voiture? 8 voitures.
Donc on n'a pas beaucoup de voitures.